feel like I'm Rango. Sometimes I'm a titan. All this sorrow, shit, at least you know that I'm enlightened. Baby, tell me what's your end goal. I've been trying to find it. I'm a shooting star, I'm dying now, but you don't mind it lately. I feel like I'm Rango. Sometimes I'm a titan. Ils sont stand à la fin, c'est ça le but du jeu. I feel like her angle. Avec Charles Cancer. I feel like the meatball in that one show, I ain't lying, baby. I feel like the wayside, I feel like I'm chowder. I feel like the only way to hit me is get louder, baby. Tell me what's your end goal, I've been trying to find it. I'm a shooting star, I'm dying now, but you don't mind it lately. I feel like I'm Rango, sometimes I'm a titan. All this sorrow, shit, at least you know that I'm enlightened, baby. Tell me what's your end goal. Tu parti ça aussi? Oui, c'est parti. Ok, parfait. Hey, Big, si, il rentre solide. Hey, oh, qu'est-ce qu'il oublie? On passe la semaine qu'il oublie d'enregistrer. Ouais, non. Dave, à la production, c'est legit, on prend une chance sur deux d'avoir juste un podcast audio ou un podcast muet. Gros show qui s'en vient. On a plein de sujets. Une couple d'affaires le fun. Ben écoute, notamment aussi la présentation d'un sponsor. Ouais, absolument. Notre premier sponsor qui est pas Bitcoin 69. 69. Ouais, un premier sponsor qui nous donne du vrai cash. Est-ce que Bitcoin 69 sont insolvables? On est comme Chris. On en donne plein de cash. Ouais, c'est ça. Je continue à miser sur leur app. By the way, même quand que mes bets y rentrent, j'ai pas de payout. Pis j'ai toujours pas été payé pour la minute d'advertisement. Fait qu'on vous envoie à l'annonce à l'instant. L'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par Neoclimat. Neoclimat, c'est une compagnie de climatisation, chauffage et isolation. Absolument, mais justement en parlant de climatisation, les canicules au Québec sont là. Présentement, actuellement, c'est déjà commencé. La grosse saison estivale qui s'en vient. Fait que c'est le temps justement d'aller visiter le site web, remplir le petit formulaire, puis à ce moment-là, dans le fond, on communique avec vous. Neoclimat, c'est un service rapide qui est adapté dans le fond à vos besoins, puis selon votre situation. Là, tu vas me dire, mais moi, je vous écoute dans l'autobus, je sais, j'ai lu ton commentaire, puis j'ai pas de décision parce que je suis un locataire. Mais c'est correct, ton propriétaire peut prendre la décision pour toi. Right? Dis à ton propriétaire. J'ai chaud, si je me peux plus. Je suis en boxeur constamment, puis la voisine d'en face, elle me voit. Et j'ai des plaintes, ça prend de la climatisation. C'est important aussi de mentionner, bon ben pour ceux qui effectivement sont des propriétaires, il y a des économies là, sur Hydro-Québec. Fait que tu installes la climatisation, t'es plus confortable, puis en plus de ça, ben à l'année longue, t'as des économies. Puis il y a aussi des crédits d'impôt qui s'appliquent à ça. Fait que t'as jusqu'à 975$ pour optimiser l'isolation de ton toit, puis jusqu'à 1500$ pour un projet combiné là, avec le programme Réno-Climat. Absolument. Fait que en plus de ça, justement, le gouvernement te paye pour avoir une installation plus confortable chez vous. Allez sur le site internet juste ici, remplissez le formulaire, puis soyez plus confortable à la maison cet été. De retour à l'épisode, merci à Neoclimat. Simon, je sais que t'aimes ça nous garder des surprises en entrée de scène. T'aimes ça mettre de la créativité dans le show. Avant d'entrer dans la finale de la Coupe Stanley, où... les Panthers mènent déjà 2-0. T'avais une petite surprise pour nous? Oui, en fait, c'est dans le même ordre d'idée que le partenariat, dans le fond, qu'on vient d'avoir. Okay. Mais c'est pas concernant nous. Je sais pas si vous avez vu là, le dernier partenariat qui s'est fait avec Tim Hortons puis Hockey Canada. Non, j'ai pas vu ça. Ils ont décidé, dans le fond, de sortir un Ben Grimbostel signature. OK. Fait que question de redorer un peu l'image d'équipe Canada. Ben oui. Pour la fierté, quoi. Puis dans le fond, ce Ben-là, c'est un Boston original, mais c'est juste qu'il y a 8 gars différents. ben écoute, ça prend des sidelines quand t'as plus de job dans la Ligue nationale. Ouais, c'est juste que ça avance pas vite parce qu'on est tous sur le même bench. Oh mon dieu! Gros merci. Hey. Gros merci à Alex Formanton et son crew pour
Écoute, les jokes illimités qui nous donnent. Ben merci Simon pour... Puis écoute, on encourage Hockey Canada, puis on va aller acheter un bang dès qu'on a une chance. Justement, là, t'sais, c'est le mois parfait pour expérimenter avec les bangs. La finale de la Coupe Stanley. Ouais, la finale de la Coupe Stanley. On parle de hockey, c'est ça. Oui, absolument. C'est un podcast de hockey avec des petites touches d'humour. Les Panthers de la Floride qui mènent 2-0. Est-ce que Edmonton doit commencer à paniquer à ce moment? Je pense qu'après la première game, ils ont commencé à paniquer déjà. Ouais. Après la première, ça a l'air que dans le vestiaire, c'était quand même calme. Il avait juste perdu la première. Mais après la deuxième, ça a l'air que les faces étaient pas mal plus longues. Puis il faut le dire, le premier match, les Panthers ne l'ont pas mérité. Bobrovsky leur a sauvé le cul. Voilà la game. Puis ça a été un duo défensif qui a coûté la game à Edmonton. C'était une game serrée. Edmonton, en fait, avait une super bonne game. Là. Ça a été des débuts qui ont été scorés. Mais là, après la première game, tu te dis, bon, on a échappé une, on s'est fait blanchir. Bobrovsky était dans sa zone. Tu commences la deuxième game, tu scores un but facile. Un 5-all de Mathias Ekholm contre Bobrovsky. Puis tu te dis, ah, il est peut-être pas dans sa zone. Un peu, ouais. Fait que les Panthers qui se sont dit, ah, si, on le sait, c'est quoi Bobrovsky? Il est pas tout le temps dans sa zone. Mm-hmm. On va prendre le contrôle. Fait que les 15 minutes d'après, ils ont été juste acharnement et démoralisant, vraiment. Leur système défensif, là, tu vois. Et là, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que tu te dis, bon, blanchi première game, ça paraît à tout le monde. Mais là, c'est un but en deux matchs. De ton défenseur défensif. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, la seule option que Edmonton a, c'est sors la jambe, pète le genou, essaye de péter le genou à Lustarinen. Draisaitl essaye de défoncer Barkov. Quoique, comme j'en parlais avec Dave tantôt, il y a peut-être la position de la tête à Barkov qui joue pour ça, mais il y a clairement de la frustration du côté des Oilers. C'est le petit edge qui essaie d'aller chercher de plus. Mais tu peux pas battre les Panthers à leur propre jeu de toute façon, surtout à ce genre de jeu-là. Vraiment pas. Ils ont les meilleurs de la ligue pour faire ça. Ouais. Fait que... Puis, man, je vais le dire, là, mais McDavid puis Draisaitl, invisible. Ouais, c'est... Ben, c'est terrible. En fait, là, on les voit. C'est juste qu'ils essayent de faire un jeu parfait, ouais, constamment. Juste de quoi dire là-dessus pour Draisaitl. Il y avait 25 points après les 13 premières games. C'est ça? Ouais, après les 13 premières games. Et depuis, en cette game, il y a 3 points. Ouais. Ouais, ben, il y avait eu... Est-ce qu'il joue blessé? Il y a ça, il a pas l'air lui-même, là. C'est sûr et certain que oui, d'après moi, il y a probablement une partie de ça, d'où peut-être la frustration aussi de sentir la... mais oui, effectivement, là, il a ralenti même contre Dallas, tu voyais, c'est McDavid qui a dû justement comme prendre le dessus contre Dallas, mais c'est pas la même équipe qui a battu Dallas là, contre les Panthers. On aurait certainement eu un meilleur affrontement justement avec Dallas, puis c'était de nos favoris, puis on manque de quoi à ce stade-ci. Je suis convaincu que d'ici demain, au moins il va y avoir 2 jours de pause, il va y avoir le temps. Là, il y a Darnell Nurse qui a patiné, puis il y a Barkov qui a patiné. Ouais. Fait que là, les blessés, mais là, c'est fou, c'est des portes tournantes. Là. Les gars, ils sortent, ils reviennent. Ils sont boostés. Ouais, écoute, puis le Starinen, justement, il y a eu 5 minutes hein, sur le croc en jambe là-dessus. Le penalty kill d'Edmonton est relativement légendaire. En fait, ils sont fait marquer en penalty kill au dernier match. Il était à un seul match du record du Canadien de Montréal en 2021. Oh. On se rappellera, le Canadien en 2021 a le record pour le plus de matchs consécutifs sans se faire marquer de but en infériorité numérique. Fait que ça, faut le dire, là, cet alignement du Canadien-là, on l'a dit, il a été lucky, mais on avait un top 4 défensif. En fait, on jouait à 4 défenseurs. Ouais. Là. C'était Weber, Petrie, Chiarot, puis Edmondson. Puis j'ai de la misère à te nommer le bottom pairing parce que, je veux dire, ils jouaient pas, les gars. Là.
C'était qui le bottom pairing de cette année-là? Je te trouve ça. C'est cave, là, mais... Puis, juste une petite statistique encore sur... Ouais. Le dernier match, les Oilers ont fait 19 tirs au but. Et outre Zach Hyman, Connor McDavid, puis Leandre Seitel, je pense qu'il n'y a aucun autre attaquant. Je suis en train de vérifier, là, mais je pense qu'il n'y a aucun autre attaquant qui a un tir au but. Non, mais c'est vraiment le système des Panthers qui c'est atroce, là. Comment tu veux gagner si t'as trois attaquants seulement qui font des tirs au but? Ça marche pas. Ah non, mais comme je te dis, tu sais, il y a une partie, Edmonton est en faute, mais je pense vraiment que Floride sont à point. Puis ils ont sorti des bonnes équipes. Les Panthers, on va se le dire quand même, là, tu sais, pour aller back-to-back. Tu sais, même New York, je pense qu'on les favorisait parce qu'il y avait l'aura d'une équipe championne. Mais je pense que les Panthers sont vraiment, vraiment mindés. À gagner cette coupe-là. Hey, j'ai pas parti. Les buts des séries cette fois-ci. Les séries 2021. Pour ceux, genre, mettons, qui font juste nous écouter puis ils regardent l'écran derrière. Les séries 2021. Fait que, ouais. Ouais, j'aimerais ça aller avec un joueur obscur de cette série-là. Parce que, justement, un gars qu'on. Mais non, Darnell Nurse, c'est pas une si bonne saison, une si bonne série que ça. C'est, okay. c'est pas lui. Okay. C'est Anton Lundell. Ouais. Il connaît des grosses séries, rendu à 14 points en 19 games. Il est plus 8, qui est le premier attaquant des Panthers, puis le troisième dans l'équipe. 53% au niveau des face-off. Mais c'est un good. Ça a l'air que justement en Floride, il l'appelle. Barkov Junior. Ouais, ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Et dans le même moule. Puis justement, ben c'est le genre de moule que les. Tu sais, Barkov, ça a été longtemps dit comme gars. Sous-estimé. Sous-estimé, même si. Quand ben, ce l'est plus, là. Ce l'est plus. Mais là, Lundell, il est exactement dans le même moule. C'est pas un gars qui est flashy. Mais tu sais, 14 points en 19 games de série, c'est excellent. Ben oui, pour un gars qui a eu quand même une saison tranquille cette année, comparativement à l'année passée. Il faut le noter, tu sais, quand même une performance 14 en 19, c'est très très bien. Un gars qui joue pas des minutes top 6 très très souvent aussi, là. Non, exact. Fait que c'était juste mention honorable. Ouais, certainement. Tu me demandais le bottom pairing, là, ça devait être Brett Kulak puis John Merrill. John Merrill a joué 13 games dans ces séries-là. Oh, ouais. Sinon, Romanov en a joué 4. T'avais Eric Gustafsson. Ouais. Edmondson, Petrie puis Weber, bien sûr. Est-ce qu'on avait 8 defs? Ben oui, mais il y a une rotation. Mais Romanov, c'est une blessure, c'est pour qu'il skip? Je m'en rappelle plus. Ou il y avait juste un creux de vague? Parce que je pense qu'il y avait un creux de vague cette année. Ouais, hein? Je pense que ça me dit quoi. Fait que, quand même, Kulak. Kulak, c'est pas mauvais, là. C'est ta troisième paire. Puis il monte encore. Edmondson, c'est un gars, c'est un gars qui est extrêmement solide, là. Puis il nous a netté Lane Hudson. Fait que moi, je vais rester toujours grateful de Brett pour ses années puis la gestion de cet asset-là. On va se le dire, Bobrovsky, c'est le clear-cut Conn Smythe winner. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, Golden Moon. J'ai oublié le défenseur des Panthers. Son nom m'échappe en ce moment, je sais pas pourquoi. Forsling? Ouais, Gustav Forsling. Ben... Je l'oublie pas, mais selon moi, t'as Barkov, Kachuk devant Forsling, pis t'as Bobrovsky bien devant eux autres. Okay. Pour moi. Moi, je t'en accorde. Il a sorti Tampa Bay, pis il est en train de sortir la meilleure attaque, la plus dynamique. Encore une fois, ça c'est comme n'importe quel trophée individuel, c'est un travail d'équipe. GM de l'année, c'est un travail d'équipe. Tu sais, Vizina, tu gagnes pas un Vizina si t'as pas une défensive, mais c'est le même principe pour un Conn Smythe, c'est un travail d'équipe. Fait que la défensive devant lui fait un excellent travail, mais les statistiques qui sortent en ce moment en termes de finale de Coupe Stanley, Chris, c'est très solide. Parlant du trophée de GM l'année, Jim Neal l'a gagné pour une deuxième année de suite. Oui, ben écoute, amplement mérité, hein. Je pense qu'on on en a parlé de la construction de cette équipe-là. Ouais. Comment la synchronisation du scouting. Du développement, l'équipe dans la Ligue américaine qui fait toujours bien, là, les Stars du Texas, puis juste l'équipe comment elle est bâtie en général. Il y a eu des années moins faciles, mais tu sais, depuis 2020, là, fait que là, on va parler, dans 5 ans,
Il va avoir eu 3 finales de l'Ouest là, en 5 ans avec cette équipe-là. Dont une finale de la Coupe Stanley. Fait que, puis ça me fait penser, Corey Perry était sur cette équipe-là, Corey Perry est sur Edmonton. Si Corey Perry perd une autre finale à la Coupe Stanley, personne ne va vouloir y toucher l'année prochaine. Hein? Non. Déjà que lui veut toucher tout le monde quand il est, quand il est dans des dans des soirées tout bien arrosées. Mais non, mais que c'est. J'ai plus personne. Ils vont faire comme. C'est une malédiction. À un moment donné, c'est comme on va tirer à le Corey. Là. Puis s'il y a bien un sport qui est superstitieux, c'est le hockey. Ben oui. Hey, Chris Connor McDavid qui met son esti de soutelette. Puis c'est beau. C'est beau. Il n'y a même plus d'orteil. C'est beau. Hey, Big, là, ça serait le temps. Mets-toi un beau suit Armani là, à 8000. Mets-toi des bas. Va gagner des games. Là. Genre, t'as justement, si tu perds en finale de la Coupe Stanley, c'est là le temps de comme, changer ta routine. Ouais. Fait que. Non, c'est clair. Fait que, écoute, demain soir, puis là, vous écoutez ça vendredi. Fait que demain soir, c'était hier. Le troisième match a déjà été effectué. C'est soit 2-1 ou c'est 3-0. Ouais. Non, mais. dans le sens où. À 2-1. Bon, on a une série à 3-0, man, on tire la plug, puis on commence tout à parler de la gestion. Ouais, mais puis juste du off-season, puis des agents libres, puis des contrats. Puis jusqu'au 5 juillet, on va le faire sur Cap Friendly. Puis après ça, ça avec la plug est tirée. C'est rough, ça! Quel outil important qui est... que les méchants Capitals de Washington enlèvent aux partisans et aux autres équipes, parce qu'il y a cette notion-là, il y a des équipes de la Ligue nationale qui sont pas structurées et qui l'utilisent, cet outil-là. Hey, justement, comme au niveau des équipes structurées, ça c'est tout un peu des secrets, là, les équipes qui gardent ça pour eux, fait que c'est Frankman qui parlait justement, lui, les échos qu'il y avait. Fait que les équipes qui en ont des systèmes à sa connaissance. Il y en a peut-être d'autres, mais il ne sait pas. Il y aurait comme 8 équipes. Ouais. Chicago, Pittsburgh, Seattle, Las Vegas, Islanders, Toronto. Tu as dit Pittsburgh déjà? Ouais. Fait que. Fait qu'on. Peut-être. Caroline, l'autre? Je pense qu'il mentionnait ça sur le podcast 32 Thoughts qui est excellent si vous aimez un excellent insider qui a un excellent podcast là, fait que, justement il parlait de ça effectivement ce qu'il faut comprendre dans cette tâche-là justement c'est le thinking derrière eux autres s'établir une base de données, puis des processus à l'interne, d'engager les gens, de bâtir l'infrastructure IT, t'sais, juste de tout monter ça, le temps que ça prendrait, les coûts que ça prendrait, versus le coût d'acquisition de CapFriendly. Littéralement, ils ont acheté ce qu'il y avait de plus optimal, qui était public, le rendre le privatisé. Privé. Puis ça fait en sorte que la Ligue nationale, d'une façon ou d'une autre, aurait voulu que ça disparaisse. C'est contre leur terme, puis c'est contre leur valeur. Quand on regarde les press releases des équipes, là, ils disent on a un multi-year extension. Jamais les équipes mentionnent les salaires. Là. Il y a peut-être quelques équipes qui ont cette transparence-là, mais habituellement, c'est très, très rare. Les seules fois où on va avoir des salaires, c'est quand il y a des entry-level qui sont signés, parce que c'est prédéterminé, ces contrats-là. Ils parlent jamais de performance bonuses, puis de ils parlent jamais de ça, là, puis ils parlent jamais de AAV sur les sites, les press releases. La Ligue nationale ne veut pas que cette information-là soit publique, et je ne comprends pas. Moi non plus, je comprends pas. Mais le seul point que je vois que ça amènerait au public, c'est que ça te tenterait pas de chier sur la tête à quelqu'un qui joue mal, mais finalement qui est payé esti. Non, mais c'est la NHLPA qui pousse pour que ça soit public. Fait que
cet argument-là devient, dans le fond, invalide à partir du moment que c'est les joueurs qui veulent que ça soit public. Puis la raison pourquoi ils veulent que ça soit public... On négocie. Ben, certainement. Après ça, t'as justement un cheval de bataille à te dire, ben, ce gars-là, il gagne ça, je devrais gagner au moins ça. Puis après ça, c'est de l'inter-ligue aussi, puis de faire comme regarder les autres ligues majeures. Regarder comment qu'on gagne, puis ils me feront pas brailler, mais c'est relativement triste que notre plus gros joueur NHL fait 12,5 millions, puis qu'un bench player dans NBA en fait 16, tu sais. Encore là, pas le même size de roster, pas le même type de cap salarial, puis là, est-ce qu'un cap salarial avec des taxes sera la solution éventuellement, des taxes de luxe, est-ce que ça sera l'option? Regarde, on verra bien, mais tout le stigma autour des salaires que Gary Bettman, lorsque Cap Geek avait fermé, puis Cap Geek, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, ça a été vraiment le père fondateur de même de Cap Friendly, qui a parti cette idée-là qui était d'enregistrer les contrats puis les caps salariales. Ça, c'est un gros fan des Red Wings de Détroit. Red Wings, Matthew West. Ouais. Qui justement à la base faisait ça pour les Wings. C'est pour ça. Avoir un peu de données de contrat puis tout ça. Puis finalement, regarde où est-ce que ça a été. C'est ça. Fait que il est décédé, lui, en 2015 d'un cancer. Puis là, ben évidemment, le site a fermé. Puis il n'y avait plus le bandwidth pour opérer. Parce que c'est une petite opération. C'est pas ultra payant, là, d'avoir ça. Et oui, il y a du advertising, c'est ça. Mais puis c'est très reconnu. C'est visité des millions de fois. Puis dans la communauté hockey. C'est... Tout le monde sait c'est quoi Cap Friendly, là. Oui, puis c'est une esti de grosse nouvelle, puis c'est pour ça que ça va être la titre de l'épisode, Chris. J'espère que ça vous a bêté d'être jusqu'ici, mais c'est ça, c'est une grosse affaire, mais c'est pas nécessairement la grosse affaire qui fait de l'argent, en tout cas qui faisait de l'argent. Est-ce que à ce stade-ci, justement, il y en a qui vont allumer, qui vont dire, ben, je reprends les... je reprends ce projet-là de faire quelque chose de public. C'est clair. Pour espérer moi aussi être racheté ou travailler pour un club de la NHL, parce que les gars qui opèrent Cap Friendly, ça va travailler pour les Capitals de Washington. Ah ouais, exact. Mais tu sais, honnêtement, puis maintenant avec le AI, je veux dire, dans deux semaines, il va avoir de quoi de monter d'aussi performant que Cap Friendly. En tout cas, je sais pas à quel point ça va être rapide, mais clairement, ça va être important. Puis je pense qu'il y a un site internet qui se réjouit, c'est Puckpedia. Ouais. Qui est un très bon site. J'aime comment c'est fait. C'est peut-être pas aussi quick que sa nouvelle. Moi, c'est ça. C'est Cap Friendly. C'est juste. Mais Cap Friendly aussi, c'était. Quel point c'était Friendly rapide. User, là, justement. Hey, tu marques le nom de ton joueur. Dans la page du nom de ton joueur, tu es capable de voir combien ça coûte pour le racheter. Chaque année, chaque contrat qu'il a signé. Mm-hmm. Qui quel DG l'a signé, tout l'historique, t'es même capable de trouver c'était qui son agent. Écoute, il y avait du bon stock là-dessus, fait que c'est une valeur. Non, certainement, c'est un outil qui est vraiment invaluable, qu'on dit. Là. C'est une excellente... Puis c'est pour ça que, justement, il y a des équipes... C'est ça la beauté de la chose, c'est qu'il y a des équipes de la Ligue nationale qui aidaient leur site aussi, en leur fournissant de l'information, ouais. Mais la relation entre la Ligue nationale et le site internet était très, très tendue. Fait que, comme tu as mentionné, la Ligue nationale n'aurait pas permis aux Capitals de continuer à opérer le site internet. Fait que, déjà qu'il l'est jusqu'au 5 juillet, c'est relativement de bonne foi. Ouais. Puis l'affaire aussi, c'est que dans le fond, Cap Friendly, justement, en faisant de l'annonce ou peu importe, qu'il y avait un revenu qui était généré avec des données de la Ligue nationale. Ouais. Fait que c'est de là, dans le fond, la friction, la volonté, dans le fond, que ça disparaisse. Mm-hmm. C'est que, dans le fond, c'est un revenu généré par des infos de la Ligue, mais que l'argent s'en va pas à la Ligue. Ouais. Fait que à suivre pour ce qui va en ressortir. Mais justement, Elliot Friedman mentionnait qu'il y a un NHL executive qui disait, moi, si c'était notre équipe qui avait acheté, ça aurait été fermé day one.
on l'aurait pas continué à le laisser rouler pour jusqu'au draft puis jusqu'au free agency, parce que c'est encore un outil. Mais ils vont l'utiliser, les équipes vont jusqu'à la fin, man. Moi, ce qui est... Tu sais, je pense qu'on a John Sedgwick à Montréal qui était engagé juste pour ça. Là, tu sais, il commence à prendre un peu plus de responsabilité, notamment il est GM à Laval. Du Rocket de Laval. Mais, tu sais, je pense que c'est un expert, justement, un capologiste, fait que j'espère qu'on est en bonne main, puis qu'il a son outil. J'espère qu'il n'est pas juste sur une Excel spreadsheet, à voir comme... Ben, tu sais, de ce que... Anderson coûte trop cher, puis Gallagher aussi. Ben, tu sais, de ce qu'on a compris depuis que Kent Hughes puis Gorton sont là, c'est que son fort, c'est stats avancées, ouais. Tu sais, sur les dernières technologies hockey. Fait que moi, à ce niveau-là, je ne suis pas vraiment stressé que c'est sûr qu'ils ont un bon système. Puis justement, tu parles de Kent Hughes puis du forward thinking, mais Pittsburgh se sont structurés après que Kyle Dubas a été engagé. Ben ouais, ouais. Parce qu'il avait bâti ça à Toronto, j'imagine. Ouais, ben ouais. Mais c'est un gars de statistiques avancées de base. Là. Mais tu sais, ça va dans toute l'intelligence hockey. Hey man, juste l'outil de rachat. Le nombre de fois que je suis allé essayer de racheter des gars. Ouais, c'est ça. Y avait-tu des gars que tu voulais nous parler peut-être de rachat? On est à combien de temps, mon Dave? On est à 27 minutes rondement, là, donc on a le temps. Touche-tu au rachat un petit peu? Ah, j'ai comme une coupe de. On va faire le combine. Je suis en train d'ouvrir ça. Là, vous me le dites si vous le faites. Dans le fond, le premier nom, c'est Jack Campbell. Il reste 3 ans de contrat à 5 millions de capites. Le rachat coûte 1.1, 2.3, 2.6 et 3 fois 1.5. Oui. Les Oilers sont en win mode now. Ils ont besoin de la liquidité qu'ils peuvent avoir. Non, c'est le tout pour le tout. Là. C'est... Ils vont perdre Draisaitl dans un an. Ils vont peut-être perdre McDavid dans deux. T'as besoin de toute la liquidité que t'as besoin. Puis, non seulement ça, tu mets Darnell Nurse avec un choix 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 l'année prochaine. Puis peut-être un 1 de l'année d'après. Pour que Chicago le prenne. Ouais, pour que n'importe... Hey, une belle paire. Seth Jones, Darnell Nurse. Une belle paire de quoi? Une belle paire de pas bon. De pas de paix? De pas bon! Simon! De pas bon! Excuse-moi! Ben, Chris, Seth Jones, son père, il joue à NBA, là. Il a moyen de rester. Il le connaît? Eh oui, il le connaît très bien. Fait que, non, mais c'est ça. Hey, fait que ça serait ça serait. Ben, moi, je le fais, je sais pas pour Simon, là. Mais je pense que je l'ai convaincu avec mes arguments. Waouh, je suis convaincu, là. Ils t'ont plaît ensemble, même Nurse pis Campbell, là. Ok. Envoie-la à Utah, peut-être que. On va atteindre le plancher. Prochain nom, Brendan Gallagher. Il reste 3 ans à 6,5. La première année, je sais pas, ça avait l'air bizarre, ça disait moins 333 000 sur de capit. Ouais. C'est comme si le capit était négatif. Cher. Non, il était négatif. Non, ça veut dire qu'il coûterait plus cher la première année. On perd du cap la première année, puis après ça, on en gagne. Ouais, peut-être, ouais. Ouais. Ouais, je l'ai fait souvent, Brendan Gallagher. Je l'ai pas fait tant souvent. À 3 ans, dans la situation particulière du Canadien, veux-tu y aller en premier? Non, vas-y, je vais suivre. Parce que moi, j'ai une opinion très détaillée, parce que comme je te dis, je l'ai fait souvent. Brendan Gallagher, au stade où le Canadien est, justement, nous, on n'est pas en win mode now. Il fait pas mal. Ben, il fait mal. Il fait certainement mal. C'est juste que c'est pas absolument de besoin. Fait que je serais prêt à l'endurer, son contrat, une autre année pour que quand on le rachète, quand il reste 2 ans, ben on a... C'est encore moins pire. On a juste 4 ans d'impact et non pas 6. Ouais. L'impact double. Ouais. Sur, c'est ça. Fait que dans 3 ans, c'est 4 676 000 sur le capitre. Non, mais c'est pour ça que j'attends une autre année. C'est ça. Puis que l'amortissement... Parce que surtout, si ces grosses années de contrat, son salaire est très élevé. Fait que c'est pour ça que son capit ouais. est plus cher. Parce que
la grosse amortissement de salaire est en ce moment. Mmh. Et je pense qu'il y a 8 millions en salaire Gallagher. Ouais. Loadé dans le fond son contrat. Fait que honnêtement, je suis du même avis. Fait que certainement que l'année prochaine, on n'a aucun stress à l'avoir sur le cap. Puis c'est un gars, dans le fond, c'est correct de l'avoir dans ton line-up. Sa valeur ne peut que remonter dans le sens où, man, si tu fais des buts importants, s'il performe, si ça, puis il y a quelqu'un qui veut prendre un guess à 50% pour les années restantes, tu y vas? Ouais, absolument. Le prochain nom, c'est Barclay Goodrow. 3 ans à 3,6 millions de capit. Après ça, c'est 247 000, 1 million, 3,5 puis 3 fois 1,11. Non, il y a encore une valeur dans la Ligue nationale. Comment un contrat qui fait pas si mal que ça? Ben, pour les Rangers qui sont quand même tight, Barclay Goodrow sur le quatrième trio, ça peut être cher. Mais en série, il a très bien joué. C'est juste qu'ils ont donné un... Right off the bat, c'est un trop gros contrat pour Barclay Goodrow. Il savait qu'il overpayait, mais il overpayait pour de quoi? Il overpayait pour du leadership, il overpayait pour un gars qui a du grit dans une équipe qui en a pas énormément. Ça a paru en série. Mais puis Goodrow, il a bien paru en série. Les fans de New York veulent pas l'échanger, fait qu'encore moins le racheter. Non, je pense pas. OK. Jean-Gabriel Pageot, 2 ans à 5 millions, c'est 2,25, 2,75 puis 2 fois 1,25. Écoute, moi, les Islanders, pour moi, c'est une équipe qui est tellement genre que... Beige. Tu sais... Déjà qu'ils se soient battus pour faire les séries, c'est ça comme... Pour moi, là, vous perdez votre temps. Là, c'est comme, vous avez 3-4 éléments, puis le reste, man, c'est comme liquider. Ça dépend de c'est quoi leur stratégie rendue là, basée sur leur line-up. Ils ont un vieux line-up comme... C'est la pire banque d'espoir de toute la Ligue nationale. Pire que les Pingouins. Ouais. Pire que les Pingouins. Écoute, ils ont... Pire que les Pingouins. Mais c'est parce qu'en plus, parce qu'il y en a aussi, ils repêchent mal. Islanders, c'est pas compliqué, là. Puis ils ont échangé, je pense, leur meilleur espoir contre... Ratti? Ouais. Contre Orvan. Qui est un choix de deux, tabarnak, tu sais. Non, c'est ça, mais toute leur line-up, ils passent leur prime. Là, t'as Sorokin qui rentre avec son gros contrat l'année prochaine. Ils sont dans un weird spot, honnêtement. Moi, c'est pour ça que j'avais pas compris pourquoi Patrick Roy était allé coacher là. Je me suis dit... Man, fais un pitch à Ottawa, si supplie-les de t'engager, va pas à Islanders. À moins que tu l'aies vraiment prouvé aux autres general managers, genre, hey, regardez, si je suis prêt à travailler avec le pire. Je suis prêt à raser ma barbe. Non, mais dans le sens où, voyez comment je suis une meilleure personne, là, je ferai pas chier, quand j'ai fait chier Joe Sakic, là, je ferai pas chier, je suis capable de m'acclimater à Lou Lamoriello. Je sais pas si c'était quoi l'idée, mais personnellement, pour moi, les Islanders, c'est une équipe que, écoute, qu'ils le rachètent ou pas. Je pense pas qu'ils vont le racheter, mais, tu sais, c'est un pas bon, là. C'est une équipe qui va rester en milieu de peloton pour je sais pas combien d'années encore, parce que, justement, ils ont pas d'avenir, ils ont pas de futur. Ils ont pas de présence, c'est comme... Va falloir qu'à un moment donné, ils se rendent compte que, OK, il va falloir flipper Barzal, il va falloir flipper Dobson, puis vraiment se passer la gratte là-dedans. Ouais, parce qu'ils font ça, Chris, ils peuvent reconstruire. Dobson, Barzal, ils vont obtenir des bons espoirs, des écoute, bons choix. Check les Sharks, là. C'est un turnaround, là. Tu passes deux très mauvaises saisons, puis après ça, tu regardes... Le futur est bright. C'est des turnarounds assez rapides, parce qu'on a des gars... qui arrive relativement de plus en plus rapidement dans l'Ligue nationale. C'est le Bunny, c'est pas fait qu'il s'en vienne l'année prochaine. Puis tu sais, il a pas confirmé. Ben, il a pas confirmé. Il a pas fermé la porte à un retour à l'université. Ben là, si. Écoute. Il a pas déjà fermé la porte qu'il retourne à l'université. C'est pas pour ça qu'il a dit, mais j'ai vu là, une semaine. J'aimerais voir la cote mise au jeu, moi. C'est pas pour ça qu'ils ont signé les tourneaux pour aller pallier justement à sa perte. Chose Moi, d'après moi, c'est okay. publiquement, peut-être qu'il le dira pas, implicitement, je veux dire, il y a Owen Power qui l'a fait, puis c'est pas mal tout, puis tu sais, Owen Power, on s'entend, c'était pas un gars autant aussi, NHL ready que Magnus Celebrini Lee, là. Il a rien à prouver à retourner en... Fait que prochain nom, Carl Pedersen, un an de capite à 5 millions à Philadelphie, 1 puis 2 millions. S'ils ont besoin d'un backup, si je pense pas qu'il jouait... Il jouait à Lehigh Valley, ouais, je sais bien. Non. Dans leur timeline, Philadelphie, eux, ils ont été en avant sur leur timeline cette année.
ils vont régresser l'année prochaine. Clairement, ils ne se battent pas pour, des, pour les playoffs l'année prochaine. Puis d'avoir un gars 5 millions dans, dans la Ligue américaine, c'est pas cool. Mais il y a déjà 1 million qui est Barry. Il va coûter 4 millions. Ouais, puis ils vont le toffer pour la dernière année. Ils ont de l'espace à la mention. Puis mon dernier joueur, Torrey Krug. 3 ans à 6,5 millions. 333 000 après ça. 2,3, 2,8, 2,3. 3 ans de suite. Ben, c'est drôle que tu parles de Philadelphie puis tu parles de Torrey Krug parce qu'il y a eu un, il y a eu un échange qui a été jinx oui. l'année passée. Oui. Travis Konecny s'en allait avec les Blues puis Torrey Krug s'en allait à Philadelphie. Torrey Krug, c'est un gars qui a de la valeur encore. Je pense pas qu'ils vont faire ça les Blues. À moins que vraiment comme le gars il est néfaste dans la chambre ou tu sais, parce que rendu là, t'as besoin d'un gars qui joue ces minutes-là. Oh ouais, t'as absolument. Besoin d'un gars qui run ton power play. Ils ont pas personne d'autre. Perunovic, il va pas éclore comme qu'on pensait qu'il allait éclore. Fait que ils en ont besoin. Oh ouais, après, je comprends. C'est ça. Good. On rentre un peu dans le combine, puis je sais que c'est ton dada quand on parle de joueurs sous les 18 ans, ou à peu près. Ouais. Quand on parle de mineurs, de hockey mineurs. Je vais en profiter, là que Dave est parti, parce que drôle de situation qui a été rapportée par un journaliste de Columbus. Ça a l'air qu'il y a une équipe. L'équipe n'est pas nommée, on ne sait pas c'est qui. Parce qu'il y a un joueur, dans le fond, qui serait Zane Parrick, qui aurait partagé son expérience. Est-ce qu'on sait que c'est lui qui a partagé son expérience? Ben, je pense pas de source sûre comme à 100%, mais de ce qui a été, mettons, avancé, c'est ce que Parrick. Puis Parrick disait qu'il y a une équipe qui demandait le score Snapchat, puis le score Uber. C'est-tu la même équipe qui demandait les deux? Très excellente question. Ok. Ça, je suis pas sûr. Parce que le score Snapchat, c'est drôle que justement ce soit un journaliste de Columbus avec ce qu'on sait de l'année dernière à Columbus. Est-ce que tu fais référence à Babcock? Babcock qui voulait checker les photos. on saura jamais exactement c'était quoi le motif de ça, là, mais bref. Il voulait peut-être voir s'il y avait des photos de graines dans le téléphone, puis ça l'intéressait. Ben, c'est clair, là. Ou de d'autres choses, peu importe, là, mais oui, mais le score Snapchat, pour moi, c'est un peu plus dark que le score Uber, pour moi, à la limite, c'est peut-être Ottawa, tu sais, avec le scandale taxi, mais non, mais ben, pour t'sais... moi, un score Uber, c'est relativement public, ouais. Dans le sens où, à quel point... t'es une bonne personne, comment tu traites les autres. Puis ça, I guess, là, dis-moi si je me trompe, mais ça doit être Uber Drive, parce que Uber E, Dave serait choisi en première ronde. With the first overall pick from Repentigny, province de Québec, Davids. Ouais, avec 238 commandes chez... Dans le dernier mois. C'est ça. Mais, ouais, c'est ça. Fait qu'un score Uber, tu sais, pour moi, OK, fine. C'est un peu intrusif, là. Mais le score Snapchat, tu veux savoir si ton joueur fourre. Ben, oui. Je sais pas qu'est-ce que tu veux chercher par rapport à ça. Tu veux voir s'il est focus. Je pense que nous autres, on n'est pas dans... Je pense pas qu'on est dans génération Snapchat trop. Mais je pense qu'il y a du monde qui font juste utiliser Snapchat à la place de texter, mettons, tu sais. C'est comme, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils veulent aller chercher comme information à ce niveau-là. Puis oui, moi je trouve ça. Moi bon, personnellement, j'ai les enverrais chier. Là. T'sais, tu demandes-tu est-ce que tu build de téléphone, savoir genre ses minutes parlées, puis ses textos envoyés. T'sais, ça revient au même. Là. Tu checkerais le nombre de textos envoyés dans un mois sur son build, ça revient à son score Snapchat qui. Non, qui pour moi, c'est insidieux, mais en même temps, en tant qu'équipe de hockey, ça t'apprend. Un joueur qu'il faut un peu, là. Oh. Ça t'en prend un, là, tu sais, qui est allumé un peu, là, qui est comme, ben ouais, les petites, je les ai. Mais, idéalement, t'as une couple de moines qui te disent, ben j'en ai pas de Snapchat. Idéalement, mais ça t'en prend un qu'il faut.
qui met un peu de fun dans la chambre. Fait que... Mais tu sais, je serais vraiment curieux de savoir après ça, après avoir recueilli ces données-là, ils font ça un classement, Big? Puis tu sais, comment que ça fonctionne après? Puis c'est très important ce que tu dis là, c'est collecter, tu sais. Qu'est-ce qu'ils font avec cette donnée-là? Puis à quel point, justement, est-ce que cette donnée-là est gardée? Puis, bon, moi, personnellement, si on me la posait, à la limite, je dirais, ben, j'ai pas Snapchat. Puis, comme, si tu me demandes de me le prouver, je vais faire comme, hey, guys, êtes-vous sérieux? Comme, c'est-tu vraiment ça le genre de rencontre que vous voulez avoir? Puis, au même titre que, c'est le Canadien reconnu comme pour poser les questions les plus difficiles. Bon, il y a la question de l'animal là, qui ressort toutes les années, tu sais, puis les gars, il y a une équipe qui m'a demandé je suis quel animal, tu sais, puis comme t'as pas besoin de dire c'est quelle équipe qu'on sait c'est laquelle. Moi, c'était plutôt... Il y en a un qui a répondu Pégase. Ben, c'est Tige qui est là. C'est Tige qui a répondu ça, ok. C'est juste, ses raisons étaient de la petite dompe, là, tu sais, j'aurais aimé ça qu'il dise justement, ben, parce que je suis, ou genre, je suis legit, je suis un spécimen rare, tu sais, pour plein de bonnes raisons, mais il est comme... Ben, parce que je peux suivre le troupeau parce que je suis un cheval, mais aussi je peux m'envoler. J'étais comme, ah, moyen, t'as raison, Tige. Je suis sûr que t'as plein d'autres qualités que de théoriser sur des analogies d'animaux. Pense que c'est pas ça ta force. Mais, est-ce que c'est Sam Dickinson qui parlait de si ton coéquipier dépassait le couvre-feu? Je sais pas si c'est Dickinson, je m'en rappelle pas. J'ai l'histoire, mais je pense que c'est Sam Dickinson qui disait si ton coéquipier rentre passé le couvre-feu, puis Martin Saint-Louis te demande est-ce que ton coéquipier a passé le couvre-feu, qu'est-ce que tu fais? Puis qu'il avait répondu je le dirais pas comme. Moi, je dénoncerais pas mon coéquipier, fait que je le sais pas. Parce que rendu là, ben justement, tu sais, s'il y a quelque chose, ça va être moi qui va pouvoir définir à quel point il est sérieux, puis si éventuellement. Pas d'entrée de jeu, parce qu'il y a eu une deuxième question. Ok. Parce que justement, sa première réponse était non. Non. Je suis pas une snitch, là. C'est shit. Et petitement, ouais. Puis après ça, c'était. On l'a relancé en disant ok, mais toi, dans le fond, comme. Tu sais, gagner, performer. Avec tes coéquipiers. Ouais, c'est pas important pour toi. C'est pas important pour toi. Puis c'est là qu'il a dit, tu sais, moi, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais en parler en premier. Je vais essayer de le raisonner. Puis après ça, si ça fonctionne pas, puis on me le redemande, je mentirai pas deux fois. Ouais. Puis, bon raisonnement de la part, tu sais, on s'entend que c'est des jeunes, là, encore une fois, c'est 17-18 ans. Fait que c'est bon de creuser un peu à quel point, justement, sont sérieux. C'est quoi leur thought process, mais moi, legit, tu me poses cette question-là, je vais faire comme, ben écoute, je vais te dire, c'est pas de mes affaires, puis tu y parles directement. Si t'as des questions à poser à mon coéquipier sur ses activités hors glace, c'est à lui que t'en parles. Sur du on ice, s'il y a quelque chose que tu veux que je fasse, si tu veux que je... On est une équipe de hockey, ben ouais. Je suis pas la babysitter de personne, puis le off ice, c'est pas à moi de le gérer pour personne, fait que je m'attends à ce que cette question-là ne me revienne pas. Ben... Puis, tu sais, comme tu dis, t'es pas la babysitter. Non. Man, les gars sont rendus tellement avec des grosses charges mentales que, comme, c'est-tu la dernière affaire que t'as pensé? Qu'est-ce que l'autre fait, là? Honnêtement, c'est ça. C'est pour moi, je me fais poser cette question-là. Je vais faire comme, ben, tu sais. Personnellement, je trouve que ça manque de professionnalisme de me faire poser cette question-là. Pas que vous me la demandez, mais si en réalité, si mon coach me demande. Ce que quelqu'un d'autre fait dans son temps libre, pour moi, je trouve que ça manque de professionnalisme. Sérieusement. Puis j'ose espérer que ça se passe pas comme ça, puis que c'est vraiment juste justement une situation hypothétique dans laquelle ils sont mis. Là. Ben, tu sais, justement, comme le Canadien est reconnu pour être fort là-dessus. Ouais. Avec la nouvelle administration. C'est sûr. Fait que tu sais, c'est des mises en contexte, des situations, puis comme comment tu réagirais, puis de quelle façon. Puis d'être le plus authentique possible dans les réponses. On l'avait vu l'année passée avec Fowler. Mm-hmm. Mais après ça, quand on avait vu le résumé de son interview, ben, j'avais des frissons, puis j'étais, oh, ce gars-là, j'étais en amour avec. Là. Justement, après des mises en situation de même, tu reconnais le caractère de quelqu'un.
Fait que, est-ce qu'on terminait ça avec la liste de survoler la liste du Snake? Ouais. Ouais. Les petites histoires que j'ai... Tu sais, j'ai écouté le podcast. Ouais. Les petites histoires que j'ai retenues, ben, il a placé un gars de 19 ans, même si c'est pas un fan des golettes habituellement. Là, en plus, il a placé un gars qui était repêché. On va juste faire une petite mise en contexte là, sur le podcast, le processus. Mathias Brunet, excusez-moi, Snake. Oui. Snake qui aime toujours ça, faire des splashes, qui aime ça faire des listes un peu out there. Il a fait son top 32. C'est pas si pire comme liste. C'est pas si pire? J'ai vu Slayer 24? Slayer 24. J'en ai mis deuxième. Ouais. Il y a des petits cossins, là, mais sinon... Juste un petit cossin, genre, hey, on va mettre... Tu sais, Conley, qui on est va universellement reconnu comme étant un gars hors top 10, oh, non, on va le mettre 2. Ouais. C'est ça, il a placé un gars qui s'appelle Anthony Romani, 19 ans, mais qui est 4 mois plus vieux que les late de repêchables cette année. OK. Sinon... Fait que le gars, il était disponible au repêchage l'année passée. Puis exact, il n'a pas été, pris parce repêché. Qu'il est vraiment connu. C'est quoi son background, Romani? Ben, 111 points en 60 games. Ah, il y a eu une stick de bonne saison. Dans USHL, ouais. Dans OHL. OHL? Ouais, je te check ça deux secondes. C'est le fun parce que tu nous présentes des gars auxquels tu as vraiment préparé un profil. Bon, on peut, je peux enchaîner avec Trevor Connolly, justement, qui a mis deuxième sur sa liste. Ouais. Les gars, il est en amour bien raide, talent-wise. Ben c'est ça, je pense que tu sais, puis je te repasse la PAC après, là, mais Snake, il évalue les gars sur les tapes. Il va pas les voir en vrai, il les interview pas, il prend en considération à peu près rien du off-ice, il s'en fout si le gars a des lacunes défensives, fait que tu sais, il va vraiment talent-wise. Ouais, c'est ça, puis justement, comme tu as dit, il s'en fout des lacunes défensives, ben... Oui pis non, là, parce que Parek se retrouve genre au 11e rang, pis si tu suis cet ordre d'idée-là, ouais. Parek, il serait 3. Il est top 3, là, ouais. Clairement, top 5, mettons, au max. Définitivement. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est que ses critères, dans le fond, ils changent un peu selon où est-ce qu'est-ce que ça y tente, pis c'est jamais la même affaire. C'est qu'il n'y a pas de ligne directrice, grosso modo, là. Fait que moi, c'est ça que j'ai de la misère avec, c'est qu'il... Ça va être tenté de dire que lui, il est bien bon pis qu'il le veut, top 5, il va dire ça. Pis l'autre, c'est une marde, top 25. Pis c'est un draft qui est dur à mock drafter parce que, justement, il y a tellement de joueurs... Tu sais, il y a comme une zone de genre 10 joueurs qui ont tous des upsides similaires. Pis, tu sais, où tu dis dans un rôle, OK, t'en as un qui est plus défensif, mais plus de leadership. L'autre est crissement plus offensif, mais tu sais ce que ça se traduit. Fait que t'as comme des high risk, high reward, puis des low risk, medium reward, mais tout ça vient que la valeur de ces joueurs-là comme est toute proche. Ouais. Tu sais, ça fait que genre, il y a du monde qui sont comme prêts à faire comme « Ah non, prends Sam Dickinson over Caden Lindstrom. » Ou que tu te dis « Ben, Caden Lindstrom, c'est un unicorn, là, un centre de 6 et 3 qui tire, qui fait des estis de but, qui est « Ouais, mais il y a blessure au dos. Ok, fine. » Fait que, mais là, « Ah, t'as Demidov. Ouais, mais là, c'est un Russe qui joue dans MHL. Ouais, » Fait malade, que t'as comme toutes les impondérables, c'est ultra difficile. C'est juste que, à toutes les fois, de sortir avec des hosties de noms, des fois, qui étaient comme... Je comprends que t'aimes pas le consensus pis t'aimes ça qu'on parle de toi quand on le fait. Ouais. Mais. Bref. Comme l'année de Connor Geeky, là. Ouais, deuxième, là. Non, le premier. C'est le premier qu'il mettait, ok. Ouais. Tu sais. Mais en tout cas, pour venir, Anthony Romani, c'est ça. L'année passée, il avait fait 43 points en 60 games. Cette année, 111 points, dont 58 buts. Ok. Une autre petite affaire, Teddy Stiga. Ok. Ouais. Il a été coaché par. Kent Hughes, okay. À Boston. À Boston. Il aime beaucoup Andrew Bacha puis Tarik Parashak. Parashak, ouais, que j'ai vu que relativement haut, que nous on les voit comme sortir fin 20. Lui, il les a 16-17. Ouais. Andrew Bacha, il parle français, fait qu'il va être aimé des gens de Montréal. Absolument, puis Minster. C'est un solide talent. Ben oui. Pour être un gars qui est tard un peu, justement, dans listes. Moi, avec le 26, je serais très content. Ce qu'il disait, dans le fond, c'est que quand il allait voir Snake, quand il regardait une vidéo de. Parce qu'il joue à Medicine Hat avec Caden Lindstrom, ouais. Il dit je regardais la vidéo pour voir
Caden Lidstrom, puis il dit, je voyais Andrew Bashaw, il dit, je voyais aussi Caden Lidstrom, mais il dit, j'ai remarqué. Ah, ouais, ben ça, c'était des... Puis... Il jouait sur la même ligne. C'est ça, exact. Le temps que Caden Lidstrom y a joué, bien sûr. Ouais. Parashak, qui a fini deuxième meilleur compteur des 17 ans, ben, c'est ça, dans la Ligue canadienne. Des draft years, là. Des draft years derrière Berkeley Catton. Sinon, Cole Eiserman, 13e, ça, c'est quand même... Levchunov, 11e. Ouais, très late aussi, Levchunov, honnêtement. Pour moi, c'est le consensus. Le gars, le défenseur le plus complet de ce repêchage-là. Il en place 4 devant. Ouais, exact. Parrick, Bium. Mais Dickinson premier, à la limite, c'est défendable, oui. Dickinson. Oui. Ouais. C'est défendable parce que tu te dis, ce gars-là, on dirait que tu sais exactement quel genre de gars que ça va être. Puis, tu sais que ça sera pas le défenseur de 60-70 points, mais... Il peut peut-être y toucher, ouais, là, aux 60 points à m'amener, en étant vraiment comme physique, mean, c'est ça, tout ça. Mais sinon, les autres gars qu'il y a devant, Bium, qui est très, très complet, que j'aime beaucoup, mais je pense quand même, justement, si t'analyses leur résultat cette année dans NCAA, tu y vas quand même avec Levchunov, là. Les deux ont une saison incroyable, ouais, là, de toute façon. Aussi. Mais tu sais, encore une fois, c'est selon ses critères à lui. C'est comme, ouais, qu'est-ce que tu as regardé? Parce que si tu regardes, mettons, niveau plafond, ben, tu sais, Bium puis Parrick, je suis à l'aise à les mettre devant Levchunov. Mais devant Larser, surtout dans le top 10. Tu sais, dans le top 10, tu veux pas te planter, là. Ben, tu sais, il y a Seneca 4. Hein, ouais, c'est ça. Qui, pour moi, c'est un esti d'affront, justement, un Lindstrom. À la limite, tu peux comparer Seneca puis Higginla, puis dire bon, ben, je vais donner un edge à Seneca pour le size. Mais pour moi, encore une fois, tu y vas vraiment dans l'hypothétique avec Seneca. Tu te dis, je vois ce qu'il peut devenir. Tu peux vraiment te tromper avec ça. T'sais. Moi, j'aime bien mieux y aller avec. Ce qui est vraiment dommage dans le cas moi, d'un Lindstrom, justement, c'est la blessure au dos parce que. Oui. Sinon, ça c'est un indéniable. Sinon, pour moi, Lindstrom, indéniablement, il sort deux. Mm-hmm. Pas de blessure au dos. Ouais. Puis une blessure au dos, c'est très important. Fait que ça va être. Ça se peut effectivement qu'il descende. Là, on arrive peut-être au. Il y avait-tu d'autres ben, il a classé 3 Québécois dans le top 32. Maxime Massé et Justin Poirier, 30 ouais. Puis 31e. Encore là, tu sais, Poirier, tu sais, on s'entend. Ouais, ben, il s'attend à ce qu'il sorte 30, dans la 3e, 4e ronde, même. Mais il dit, pour moi, il dit. Peut-être pas c'est... tant que ça, là, mais. Ouais. Bon, moi, je pense que. Fin 2. Peut-être début 3, mais. Mais 5 bref. Et 7, ça va le faire descendre. Ouais, c'est sûr. Mais dans le fond, lui, c'est sa liste et non pas son mock. Là, non, c'est pas un mock, c'est une liste des meilleurs joueurs. C'est ça, clairement. Parce qu'un Tige qui est à 12. Connery passera jamais par-dessus. C'est impossible, ça, je peux pas comprendre. N'importe quelle liste ou mock qui passe Calgary, c'est du monde qui a fumé du crack. Là. Non, c'est ça. Lui, c'est son possible. Classement des meilleurs espoirs et non un mock. Selon lui. Pour lui. Mais j'arrive peut-être avec un dilemme pour terminer. On parle de gars qui recule. Okay. Étant donné que c'est un defenseman heavy draft, puis que c'est très très possible que tu aies un Levchunov, un Dickinson, puis peut-être un Bium qui sorte 2, 3, puis 4, puis que tu as Demidov et Lindstrom de disponibles au 5e, tu fais quoi? Tu te bats. Tiens, j'espère que ça arrive pas. Tu veux qu'une autre équipe prenne la décision pour toi? Ouais. Moi, je vais dire, je fais confiance à l'organisation du Canadien. Mais quelle décision difficile. T'as le gars comme rêvé, tu te dis, hey, j'ai un Slavkovski au centre. avec un meilleur shot. Un gars qui. Legit un gars qui se compare à Slav, là, qu'on pourrait avoir 5e cette année. Qu'on l'a dit, il recule simplement à cause d'une blessure. Okay. Il est revenu en série, ça a été difficile. Il a manqué le moins de 18. Fait que ça va, il y a beaucoup qui va relier sur. Relier, c'est pas le bon mot, là. Rely on, c'est sur les tests médicaux là, qui ont été faits au combine. C'est ça. Mais. T'as ce gars-là qui est un spécimen que le père de Brendan Gallagher, on ne l'a pas mentionné.
Ouais, c'est vrai. Ah, oh, entraîné depuis. Ouais, exactement. Il y a une académie de hockey, ouais. Le père de Gallagher. Puis c'est ça, il a entraîné Caden Lindstrom. Puis lui, qu'est-ce qu'il a dit? C'est que, quoi, depuis 30 ans? 30 ans qu'il a son académie, il n'avait jamais vu une bite comme Lindstrom. C'est ça. Fait que, tu sais, quelqu'un qui est dans le milieu, c'est que ça prend pour être dans les nationales. Puis il a reconnu le père Gallagher, justement, au niveau de la préparation physique. Il a fait que Gallagher a pu performer comme ça dans WHL, puis il a pu traduire son jeu à NHL. On se cachera pas, Gallagher, oui, il a été ralenti par les blessures à la main. En début de carrière, les 30 buts. Là, ben oui, il était très... Il y avait 30 équipes dans ce temps-là, il y en avait 30, qui l'auraient pris dans son club, là, Brendan Gallagher. Fait que, c'est sûr que oui, le contrat, l'âge, c'est ça, mais excellent préparateur physique. Fait que quand ça vient d'un gars comme ça, ça veut dire beaucoup. Mettre un Demidov qui a peut-être le plafond le plus élevé de ce draft-là. Même devant Celebrini, niveau offensif. Fait que, ouf. Au cinquième rang, quelle décision. Hey, si on prend Demidov, là, pour vrai. moi, c'est lui que je veux. Moi, c'est mon choix. C'est lui que je veux. Moi, je vais me dire que ça arrivera pas. Puis si ça arrive, tant mieux. Faut juste pas qu'il y ait de non. Ouais, non. Cette année, j'ai pas envie de dire non. Je pense, honnêtement. Tu seras à l'aise quand même avec un défenseur. Il y a pas personne que je vais dire non. Pas personne que je vais dire non. Honnêtement, quasiment jusqu'à 15e, les gars, c'est liste. Je serais content. Parce que les défenseurs qui sont disponibles sont tellement bons que je serais pas déçu. Puis je me dis, regarde, ils ont repêché best talent available et non pas. En fonction des besoins à ce moment, parce qu'on n'est pas prêt à gagner en ce moment. Comme ils ont fait avec Kotkaniemi, mettons, en deux. Exact. Puis au cinquième overall de cette année, c'est pas un gars qui va jouer l'année prochaine. Non. Fait que, il y a du stock en esti qui peut se passer en un an. Il faut avoir un peu de faith. Puis c'est un établi. Comment, Chris? L'upper management du Canadien que je fais confiance. Oui, absolument. Absolument. Surtout quand c'est question de draft. Ouais. Depuis qu'ils sont là. Fait que laissez-nous savoir en commentaire si vous êtes à prendre la décision Demidov ou Lindstrom, marteau-piqueur. Oh! Encore marteau-piqueur. Let's go.